Et donc, on a regardé un petit peu autour de nous, dans le mandala, qui pouvait potentiellement faire quelque chose d'intéressant sur cette question-là. Et très naturellement, les trois personnes qui sont là ce soir nous sont apparues, car elles sont associées à DAGPO depuis très longtemps. Elles représentent la jeune génération, la nouvelle génération, et une génération qui est très axée sur la recherche, notamment la recherche académique. Donc, dans le cadre de cette petite conférence, on va vraiment travailler et étudier un petit peu la lignée Kagyupa, notamment l'enseignement du troisième Karmapa, les pratiques préliminaires, la lignée de transmission. Et donc, on aura une première présentation en tibétologie, une deuxième en philosophie et une troisième en tibétologie. La philosophie, par exemple, la phénoménologie sur laquelle est basée la sophrologie, n'envisage pas du tout, ne se pose même pas la question de l'existence ou de la non-existence. C'est-à-dire, quelque chose apparaît, moi j'existe, les choses existent, et on va être juste au niveau de la relation par rapport à ce qui s'élève. Alors que dans la philosophie bouddhiste, et ça c'est quand même très important, parce que la méditation est basée là-dessus, c'est la question de savoir comment, dans quelle mesure, moi, en tant qu'entité, j'existe. Les choses, les phénomènes, en tant qu'entité, ils existent ou ils n'existent pas. Ou de quelle façon ils existent ou ils n'existent pas. Imaginez que vous prenez conscience d'avoir fait une erreur. Donc, par exemple, ça peut être, je sais pas, les personnes qui aiment faire des mots fléchés. Imaginez que vous avez écrit au bic quelque chose dont vous apercevez après coup que ce n'est pas le bon mot ou le bon mot. Essayez d'imaginer, vous choisissez un mot qui décrit le sentiment et l'émotion que vous éprouvez. Ça peut être un autre exemple, hein, pas forcément le ceux qui ont une émotion négative. So who's had a negative emotion when they realize that they made a mistake?